Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau programme d'Astro Center Live. C'est un plaisir d'être avec vous. Je suis Alejandro Sanchez, médium pure spirit, et je vais être avec vous pendant une trentaine de minutes pour répondre à toutes vos questions. Vous pouvez dès à présent commencer à les poser sur le chat, mais entre-temps, vous pouvez aussi plus tard, si vous le souhaitez, me contacter au 01 75 75 75 75, mon identifiant est le 62 18. Vous pouvez aussi également bénéficier, si c'est votre premier appel, d'un code promo qui vous donnera une réduction sur la consultation. Le code, c'est LALUNA. N'hésitez pas à en profiter. Donc, très bien, nous commençons par la première question. Je vais juste, on va juste un petit peu donner un meilleur visuel comme ceci. Et nous commençons avec Laure. Alors, Laure, elle est née le 24 janvier 68. Très bien. Quand je vais avoir un amoureux sérieux et officiel 2024? Très bien. On va regarder ça. On va regarder un petit peu. Alors, je regarde, s'il vous plaît, montrez-moi par là. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué parce qu'on est en train de me montrer que dans l'immédiat, on me parle d'attente. On me montre que vous êtes encore dans une situation qui est délicate sur le plan sentimental. On me dit que l'amour, alors sur l'année 24, on me parle de rencontre, mais on ne me parle pas de quelque chose qui est officieux. On me dit plutôt que sur l'année 2025, c'est plutôt l'année qui va être propice, en tous les cas, au plan sentimental. Il y a une rencontre, alors elle est un peu difficile à dater, mais il y a une rencontre qui doit arriver tout au long. Oui, alors on me dit la période, une période 3 qui peut être correspondre à la période du mois de mars ou dans les 3 mois, mais je suis plutôt parti sur la période de 2025. Entre-temps, je vois quand même des rencontres sur cette période de 2024, mais rien qui va permettre d'affirmer sur la relation. Sur le futur, quand vous arriverez sur 2025, la personne qui arrivera, on me montre un visage quand même assez fin, grand, et on me montre quand même un regard quand même très, très fort. C'est une personne d'ailleurs qui a... Oui, on me dit que c'est une personne qui aime beaucoup le sport, cheveux courts, et on me dit aussi également, c'est quelqu'un qui est, qui a des enfants, me parle de deux enfants particulièrement, d'accord. Donc, cet amour est plutôt sur l'année 25, tenez-le en compte. Voilà alors, j'espère que j'ai pu vous aider. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une consultation en privé. Je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt. Nous passons avec Marie-Ange, qui est du 26-2-57. Alors, 57. Alors, j'aimerais savoir si je vais faire une rencontre sentimentale bientôt. Alors, on regarde. Que j'ai une rencontre sur Marie-Ange. Alors, c'est assez intéressant parce qu'on me montre une rencontre, on me dit une période en 4, une période qui peut... Alors, pour moi, ce n'est pas ce mois-ci. Hein. Pour moi, il y a plutôt quelque chose sur les 4 prochains mois et je pars plutôt sur l'été parce qu'on me montre le soleil quand même, un soleil fort, un soleil chaud. Et on me dit aussi également que c'est une personne qui va arriver d'une manière inattendue. Et après, on me dit aussi également que sur le plan, du moins sur le plan futur de ce que je suis en train de regarder, c'est une personne on me parle de stabilisation. Il y a un détail qu'on est en train de me montrer. On me montre que cette personne a souffert une perte importante. Une perte... Oui, quelqu'un qui tenait beaucoup. Alors, je suis très tentant de vous dire la maman, parce que j'ai beaucoup le lien en fait émotionnel maternel qui est là, mais on me montre que
ça ressort beaucoup. Donc attendez-vous ça sur cette année. D'accord ? Je vous souhaite plein de bonheur, Marie-Ange, et je vous dis à très vite. Passons à la prochaine question qui est de Corinne. Corinne, elle est née le 6-4-75. Vais-je faire une belle rencontre sérieuse bientôt ? Alors, aujourd'hui, c'est la voyance des amours. On va regarder un petit peu ça. Corinne, elle est née le 6-4-75. Alors, c'est assez intéressant parce que, vous voyez, quand je regarde sur vous, Corinne, j'ai l'information d'un amour du passé qui essaye de revenir. Ouais, on me dit qu'il y a un amour du passé qui essaie de revenir. Pour autant, on me dit que vous voulez de la nouveauté. On me dit que vous cherchez la nouveauté et que cet amour du passé doit arriver, on me dit, entre la fin du printemps, été. C'est comme ça qu'on me le montre. Il y a aussi une période de choix qui va arriver sur cet été parce qu'on me dit qu'il y a une rencontre sur cette période-là. D'où par la suite cette stabilisation parce qu'on part sur un deuxième semestre avec un début de stabilisation amoureuse. Et on me dit que cette personne qui arrive, vous allez voir, c'est elle qui va venir vers vous. Ce n'est pas vous qui allez initier quoi que ce soit. C'est elle qui fera les choses. Donc, un conseil que je vous recommande, c'est vivez tranquillement, ne forcez rien et vous verrez que petit à petit, cette relation, en tous les cas, cette rencontre se fera. Et le passé, laissez-le où il est parce que vous n'avez rien à attendre, très clairement. Voilà, j'espère que j'ai pu vous aider. Corinne, je vous souhaite plein de bonheur. Paz y bendiciones. Nous passons maintenant avec Céline. Donc Céline qui est née le 20 du 4 de 82. On regarde. Vais-je bientôt faire une rencontre sentimentale ? Alors, on regarde ça. Pas immédiatement, Céline. Il y a encore, quand je regarde, il y a encore une attente, on me dit. Oui, on me dit, il y a attente. Il y a des choses, mes guides me disent, il faut que vous vous retrouviez vous-même déjà. On est en train de me dire, il faut faire le deuil d'une relation passée. Et on me dit, parce qu'on me dit qu'on m'a pas... Oui, ils sont en train de me dire, c'est une femme qui a souffert. On me dit... tromperie, il y a eu de la tromperie dans le passé. Alors je dis pas de vous, pas vous qui l'avez commis, mais que vous avez souffert de ce problème-là. Et on me dit que vous devez vous reconstruire. Et on me dit il y a une période qui ressort beaucoup, septembre. C'est une période qui ressort beaucoup sur vous, d'où il y a une nouvelle rencontre qui se fait sur cette période-là. On me montre. Et quand je regarde, de toute façon, à la clé de ce que je suis en train de voir, quand on part, en tous les cas, à partir de septembre, c'est là où il y a la stabilisation. D'accord ? Donc, tenez bon, parce que ça devrait commencer à bouger à partir de la fin d'été, début automne. Voilà, je vous souhaite plein de bonheur et je vous dis à très vite. Nous passons à Nathalie. Nathalie, qui est née le 6-12-70. Vais-je faire une rencontre sentimentale prochainement ? Mille merci. Alors. Alors, on me dit beaucoup le numéro 2. On me parle d'une rencontre en deux. Ça peut être deux semaines ou dans les deux mois. Alors, mes guides me disent qu'il faut faire attention parce que vous allez avoir une rencontre, mais la première ne va pas être la bénéfique, celle que vous attendez au niveau de la stabilisation. Si on part bien sur la deuxième rencontre, c'est là où c'est celle-ci qui va se poser. Attendez-vous, et là, on me dit une chose. On me dit,
de prendre le temps d'écouter, d'observer et surtout qu'on laisse venir à vous cette personne. D'accord ? Parce qu'on me dit que vous êtes quelqu'un qui donne beaucoup sur le plan sentimental et c'est vrai que ça peut porter, ça peut vous porter un peu préjudice. D'accord ? Sauf que quand je regarde au niveau futur, en soi, cette personne, après qu'il y a cet équilibre qui s'est interposé entre vous deux, ben vous arrivez à vous poser, à vous stabiliser. N'hésitez pas après, éventuellement, quand vous aurez le prénom de cette personne, à revenir vers moi afin qu'on puisse affiner un petit peu cette voyance, d'accord ? Parce que c'est vrai que bon, je n'ai pas de prénom, je n'ai pas de date de naissance, donc j'essaie de vous donner le plus de choses précises, mais on m'a montré que par la suite, les choses allaient après se stabiliser avec cette personne. D'accord ? Donc, n'hésitez pas à me tenir au courant de l'avancée et je vous souhaite plein de bonheur. Paz y bendiciones. Alors, Amandine, qui est née le 29-12-80, je voudrais savoir quand vais-je faire une rencontre sentimentale. D'accord. Ok. Alors, là, dans l'immédiat, on me dit, j'ai beaucoup l'automne qui ressort. On me montre beaucoup les feuilles qui tombent sur vous. C'est une période, on est en train de me dire, c'est très ressemblant à ce que j'ai eu avant, mais on me dit aussi retrouvez-vous et ouais, et on me dit aussi que cette nouvelle rencontre doit arriver. Alors là, on me dit aussi encore sur cette période de 2024, c'est vrai que c'est assez un peu complexe, c'est ce qu'on me dit, mais la stabilisation arrive sur 25 et on me dit que quand vous arrivez toute on me dit sur la période après effectivement de 25, nouvelle personne me montre une... Alors c'est intéressant parce que j'ai un visage avec des yeux clairs et quelqu'un qui est très observateur et on me dit aussi également quelqu'un qui toucherait à tout ce qui est administratif, tout ce qui est document, on me montre quelqu'un qui pourrait être éventuellement dans les finances ou tout ce qui est tertiaire en tous les cas, c'est comme ça qu'on me le montre, d'accord ? Donc également, quand vous avez un prénom, une date de naissance, revenez me voir, d'accord ? Vous pouvez le faire au 01 75 75 75 75, l'identifiant 62 18. N'hésitez pas à me tenir au courant. Je vous souhaite une très bonne journée, à très bientôt. Nous passons avec Valérie. Valérie, 6 avril 77. Quand vais-je faire la bonne rencontre sentimentale, celle qui va durer et construction sentimentale ? Alors, je sais que tout le monde recherche la stabilisation, la construction. On va essayer de voir ce qu'on me montre par rapport à vous. J'ai une rencontre qui est sur la période d'été, on me montre. Vous n'avez pas oublié une personne du passé, vous, hein, on vous montre, hein, Valérie. Il y a toujours une attache à une personne du passé où il y a un lien important. Et on est en train de me dire que il faut faire ce deuil de cette relation, on me dit. Parce que cette relation va prendre... Si vous souhaitez que cette relation revienne, on me dit que ça va prendre encore du temps. Et je vois beaucoup de souffrance au niveau sentimental et vous avez besoin de vous reconstruire. Donc, prenez du temps. On me dit qu'il y a une rencontre assez rapidement en me montrant quand même, parce que je vois quand même la période d'été qui est bénéfique. Et je regarde aussi sur la... Et on me dit que c'est une personne durable, C'est une personne qui aime bouger beaucoup. Je vois beaucoup les pays latins, éventuellement latinos, ça pourrait être espagnol, portugais en soi, on me montre. Mais je n'ai pas, en fait, je suis désolé, je n'ai pas en fait plus de précision sur cette personne. D'accord ?
mais on me dit beaucoup sur le milieu de l'année. C'est ce qui ressort beaucoup. Voilà, Valérie. J'espère que j'ai pu vous aider. N'hésitez pas à me tenir au courant en tous les cas. Alors, nous avons Emma maintenant. Emma, qui est le 2-2-88. Donc, Emma, vais-je faire une rencontre sentimentale prochainement ? Période d'automne, on me dit. La période d'automne va être propice à la rencontre, à la nouvelle rencontre. Mais quand je parle d'une rencontre, c'est vraiment quelque chose où ça se stabilise. Ça se pose. L'automne. Et effectivement, après, quand vous arrivez sur l'automne, il y a une nouvelle personne, une personne complètement nouvelle. On me dit qu'il y a l'amical, l'amitié. C'est quelqu'un que vous allez... rencontrer du moins par le biais amical, mais en soi, je regarde, on part, du moins, je regarde, je vois qu'on part sur une stabilisation après, d'accord ? Il y a autre chose qu'on me fait écouter là, j'ai beaucoup un bruit d'éventuellement, ouais, comme d'assiettes, de verres, donc ça peut être un restaurant ou un bar en soi, où il y a cette personne que vous rencontrez, d'accord ? Alors, ne vous inquiétez pas, ça va finir par arriver, il y a bien cette nouvelle rencontre, mais c'est question de temps, voilà, d'accord ? Donc, si vous avez après d'autres questions, n'hésitez pas à me tenir au courant sur, direct et en consultation privée. Voilà, très bonne journée à vous et à très bientôt, Emma. Sandrine. Le 21 du 5, 74. Très bien. Alors, je regarde. Voyez-vous une nouvelle rencontre sérieuse, s'il vous plaît ? Alors. Pas dans l'immédiat, hein, Sandrine. On me parle encore un peu d'attente sur vous. Et de ce que je suis en train de voir aussi, on me dit que cette nouvelle rencontre, j'ai beaucoup une période froide, en fait. Alors, vous pourrez peut-être vous dire, là, on est entre le chaud, le froid, le chaud, le froid, mais moi, j'ai beaucoup une période froide et on me l'allonge beaucoup sur la fin de l'année, une nouvelle rencontre sérieuse, du moins. Et quand je regarde après sur le futur... Il y a une chose qui est assez intéressante parce qu'on me montre beaucoup la lettre K. On me montre beaucoup la lettre K. Alors, et on me dit aussi également que cette personne également est nouvelle. Ce n'est pas une personne que vous avez du passé. Donc, c'est nouveauté. Ça sera sur la fin de l'année. Voilà. En tous les cas, tenez-moi au courant. Je vous souhaite une bonne journée. Paz y bendiciones. Avec Martine. 18 du 11 63. Et Patrick. Qui est du 24 11 66. Notre couple va-t-il mieux et durer encore, s'il vous plaît ? S'il vous plaît, pas pour Patrick. Alors, il y a beaucoup de choses à régler parce que je suis en train de voir que je vois deux personnes qui ont tendance à avoir des problèmes au niveau de la communication et au niveau en fait de la compréhension. C'est-à-dire que je vois quelqu'un qui, d'un côté, veut s'exprimer et l'autre ne comprend pas bien et vice-versa. Et il y a un jeu sur ça. Alors, moi, on me dit que... Oui, ils sont en train de me dire qu'il y a progressivement une amélioration, il va avoir un travail de fait. On me dit aussi également que parfois Patrick garde beaucoup les choses, ne dit pas tout. Il faut travailler sur cette communication parce que c'est ça qui va permettre d'arranger le couple. On me dit qu'il y a des sentiments des deux côtés. Ce n'est pas un problème. La seule chose,
c'est que je vois qu'il y a ce manque de cette communication. Et je vous vois, Martine, je vois des sentiments à son égard. Certes, ça prend du temps. Certes, c'est parfois un peu compliqué, mais ça va se faire progressivement, petit à petit, n'ayez crainte. Écoutez-le. Quand il veut s'exprimer, écoutez-le. D'accord ? Parce que vous verrez, de maintenant jusqu'à peu près octobre, ça sera un petit peu jusqu'à cette période-là, vous allez voir que progressivement, la relation va être mieux, de mieux en mieux, petit à petit. Voilà. En tous les cas, j'espère que j'ai pu vous aider. N'hésitez pas à me tenir au courant, Martine, s'il y a quoi que ce soit. D'accord ? Je vous souhaite plein de bonheur pour vous et pour Patrick. Nous passons avec Isabelle. Isabelle, qui est née le 16-12-67. Vais-je avoir des nouvelles de Guillaume ? 15-6-80. Ouais, alors déjà il y a une chose, Guillaume, quand je me cale sur lui, c'est quelqu'un qui est très volatile, il a énormément de mal à trouver ses points de repère, à exprimer ce qu'il ressent. Tantôt il peut être très proche, tantôt ça peut être quelqu'un qui peut être très distant. Je vois un petit peu cet effet yo-yo sur lui. Bon, c'est un peu dans sa nature déjà, hein, d'accord. Et vous, vous aimez que les choses bougent, et vu que vous n'avez pas de réponse, ça brusque là, ça fait un petit clash. Pour autant, pour répondre concrètement à la question, vous allez avoir des nouvelles, oui. J'ai beaucoup la période de... Alors, on me dit en deux, donc ça peut être très bien dans les deux jours, les deux semaines, mais je suis énormément calé sur le début du mois de mai. Donc, pour moi, c'est les deux semaines. D'accord ? Donc, tenez-le en compte. En tous les cas, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à me tenir au courant en privé. Je vous souhaite plein de bonheur pour vous, Isabelle. À très bientôt. Alors, nous passons avec Sophie. Sophie, qui est née le 28 mars 84. Et Joachim, 05 octobre 90. Donc, pouvez-vous me dire où va ma relation avec... Va ma relation, ok. Vous êtes très émotif, hein, très sentimental, hein, Sophie. Hein. Vous vous taisez, vous subissez, et il faut commencer à exprimer ce que vous ressentez. Parce qu'on est en train de me dire que Joachim a compris un petit peu comment vous fonctionnez. Et on me dit que si vous voulez que cette relation, elle avance, parce qu'elle va avancer, de ce qu'on m'a montré, il va falloir un petit peu être un peu plus dans l'expression de communiquer, d'exprimer ce que vous avez. Mais en plus de ça, il va falloir lui démontrer à Joachim que vous avez des sentiments, mais que s'il faut, vous êtes capable de le perdre. Parce que ce que je vois, vous avez peur de le perdre. Et c'est ça aussi qui vous met à porte-à-faux. D'accord ? Alors moi, je le vois beaucoup plus communicatif, beaucoup plus dans les dialogues et dans les sentiments, d'accord ? Dans les prochaines semaines. Mais donnez-lui du temps et laissez-le venir à vous. Ne forcez pas les choses, d'accord ? Et vous verrez que petit à petit, ça se mettra en place. Voilà. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très vite. Bonjour Alejandro, quel est mon avenir professionnel s'il vous plaît, Émilie ? 15-6-87. Alors, au niveau du pro, Émilie, s'il vous plaît. Alors, c'est assez intéressant parce que là, par exemple, il n'y a pas de gros changements, là, dans l'immédiat. Où je vois un début de changement au niveau professionnel, on part sur une période du deuxième semestre à partir de septembre. Il y a une proposition qu'on va vous faire, mais on me dit de ne pas avoir peur à dire ce que vous voulez, on me dit. Parce que j'ai une proposition et je vois qu'après, par la suite, les choses évoluent. Je sais, vous m'avez posé une question sur un thème et pour le développer, il faudrait
aller en consultation privée, mais du moins, je peux vous dire qu'il y a quand même pas mal de choses qui vont bouger sur cette période à partir de septembre-octobre. Donc, tenez-le en compte et une proposition faite par un homme. Ça, c'est aussi quelque chose qui ressort. Donc, si vous voulez après le développer un peu plus, on pourrait le voir en privé. Ça sera avec grand plaisir. Je vous souhaite plein de bonheur et prenez soin de vous. Alors, Émilie, née le 18-9-81, vais-je bientôt rencontrer un homme pour une relation sérieuse? Alors, Émilie, on va voir. Alors vous, quand vous aimez à fond. Hein. C'est vraiment, il y a l'amour, mais avec le grand A, le grand cœur, et vous souffrez avec ça. C'est ce que vous donnez très rapidement. Et on abuse de cette gentillesse. Alors, ça doit, il y a une évolution qui arrive sentimentalement. J'ai beaucoup juillet 7, la période 7, donc on est dans une période qui est à peu près sur un développement sentimental. Vous arrivez aussi également petit à petit à trouver cette stabilité, mais cette personne arrive d'une manière inattendue. Et c'est assez intéressant parce que ça se fera sur cette période d'été, c'est ce qu'on me montre. Donc c'est une rencontre sérieuse. Quand vous aurez le prénom, date de naissance, revenez me voir. Et après, on va développer un peu tout ça, mais les choses devraient se développer à partir de la période d'été. Voilà, nous arrivons à la fin de cette voyance live sur Astro Center Live. J'espère que vous avez apprécié ce live et j'espère que j'ai pu vous aider pendant ces 30 minutes de consultation. Vous pouvez toujours me joindre en privé au 01 75 75 75 75. L'identifiant est le 62 18. Vous pouvez aussi bénéficier d'une promo avec le code LALUNA. N'hésitez pas à en profiter si c'est votre première consultation. De ma part, je vous remercie pour votre fidélité. Je vous remercie d'avoir été présent sur ce live et je vous dis à très vite sur Astro Center Live. Prenez soin de vous. Pasi bendiciones. Ciao.